sans bord. Dis donc, le traînard, t'attends l'autobus? Non, mon chauffeur avec une Bentley. Bah, tu l'as trouvé. Allez, monte. Salut. Merci, les gars. Salut. Eh ben, c'est peut-être pas très confortable, mais ça use pas les godasses, hein? Au fait, tu vas où? Un chimo. C'est sur votre route? Tout juste, Auguste, et à Verdi. On te déposera à l'entrée. Nous, on file plus loin, on en a pour toute la nuit, alors. Dites donc, c'est bien, chimo? Tu connais pas? Non, je vais retrouver un ami que j'ai pas vu depuis des années. Eh ben, tu vas être gâté, mon vieux, alors. Un trou, c'est la campagne. Pas un chat dans les rues le soir. C'est ce qu'on appelle dans le guide une charmante petite ville. Si on t'attend pas, tu risques de coucher dehors. Je sais même pas s'il y a un hôtel. Remarque, on peut te laisser à Alençon si tu veux, c'est à 3 km. Non, non, merci, ça ira comme ça. On y sera vers quelle heure? Il est 5 heures. Oh, pas avant 8 heures. Nous sommes les derniers par votre faute. Annette, retiens-toi droite. Je ne vous bats pas. Jacques, ma petite fille. Bonsoir, Martin. Bonsoir, madame. Bonsoir, Annette. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mon nom. Sœur Jeannick. Eh bien, ma nièce, je ne te demande pas si tu es contente. Cela se voit. Quant à vous, jeune homme, j'espère que vous ne la ferez jamais pleurer. Sinon, vous aurez affaire à moi. Ma chère petite, tu en as de la chance. Ma chère Hélène, si j'arrive en retard aux fiançailles de ma nièce, sachez bien que la faute en incombe à ces dames, qui ignorent et ignoreront toute leur vie la ponctualité. Ma petite Hélène, comme vous devez être heureuse. Oh oui, quelle jolie robe. Tu trouves? C'est un petit modèle de Madame Nose. J'avais presque le même pour mes fiançailles. Il paraît que ça redevient à la mode. Mais c'est comme du Chanel. C'est ça, par les chiffons. Venez. Oui, ton père. Dans son bureau, il peut admirer sa collection de médailles. Naturellement. Mes hommages, chère Madame Nose. Ma cousine de Poitiers. Enchantée, madame. Qui est-ce? Le colonel. C'est l'aîné des frères Gautier. Il a pris sa retraite. Tu vois, en ce moment, il parle avec son frère cadet Henri, le père de Jeannick, qui tient un cabinet d'assurance le plus important de la région. Et lui, yes, c'est François, le plus jeune des fils Gautier. Il a un laboratoire d'études sur les matières plastiques à Alençon. C'est le célibataire endurci de la famille. Mais quel homme charmant. Et il adore sa nièce. Oh, le petit Bernard Talon n'est pas mal tombé. Ils sont charmants. Tu ne trouves pas? Mais qui donc? Mais les fiancés. Lui, je le trouve un peu distant. Elle aurait pu trouver mieux, surtout dans le milieu médical où elle travaille. Mais comment Jeannick a-t-elle connu Bernard? Ils sont amis d'enfance. Ils s'étaient perdus de vue, puis ils se sont retrouvés pendant les vacances. Il terminait ses études d'ingénieur chimiste. Ils se sont écrits et Bernard est entré chez François, qu'il considère maintenant presque comme son fils. Oh, il a su se débrouiller. Cette langue de vipère de Madame Nose est encore en train de parler de nous. Tu vois comme elle nous regarde? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle n'est pas méchante. Et à force d'être toujours toute seule, elle finit par s'occuper un peu trop des affaires des autres. Et puis si elle dit que nous aimons, on ne se trompe pas?
Tu es heureux? Oui. Et tu t'ennuies? Oh, moi aussi, je m'ennuie. Mais ça faisait tellement plaisir à maman. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas aujourd'hui. Bien sûr, ma chérie. J'ai hâte d'être ta femme. Je t'aime. Oh, Bernard, mon petit Bernard, excusez-moi de vous arracher un petit moment à Jeannick, mais soyez gentil d'aller voir à la cuisine s'il reste du champagne, il n'y en a plus ici, c'est une catastrophe. Oh, il est gentil, ma chérie. Oh, mais quand même, je serais très peinée de te voir partir. Et partir où, maman? Oh, mais je suis bête, je vous croyais déjà mariée. Oh, c'est tout beau. Oh, dis donc, au fait, tu crois vraiment qu'Alice Molivant soit malade, toi? Je trouve à peine poli ce petit mot d'excuse qu'elle nous a fait envoyer par sa bonne. Oh. Enfants, vous allez vivre des minutes historiques. Voici le premier disque de Bamba que Chimo ait connu et connaîtra peut-être jamais. Allez. Mais c'est pas une Bamba. Justement, c'est ça qui est drôle. Tu veux danser ça? Oh non, tout à l'heure, merci. Tu sais, ça sera plus très long maintenant. Mais je crois que tu ferais mieux de t'arrêter à Lanzon. Lanzon, on y passe avant ou après? Avant, et il y a un relais routier. Alors, réflexion faite, je descendrai à Lanzon. Prendrai bien un verre avec moi, oui. Je n'osais pas te le proposer. D'ailleurs, j'aurais peut-être un coup de fil à donner. Bernard, c'est toi qu'on demande au téléphone. Ah bon? Bon, tu m'excuses une seconde, hein? Ça tombe très bien, je n'ai pas encore dansé avec toi. Ah, c'est vrai. Qui peut bien lui téléphoner? Une femme jalouse qui reparaît? Oh non, trop simple. Un mystérieux rendez-vous? Le beau fiancé était un chef de gang. Tu as fini de dire des bêtises. Va plutôt inviter une de tes petites amies. Je répète que c'est absolument impossible. Je vous ai dit, c'est impossible. Mais comment voulez-vous que je fasse? Bon, ben, j'essaierai de m'échapper. Bernard, tu m'abandonnes? Rien de grave, j'espère. Non, non, c'est un raseur qui me téléphonait pour me féliciter. Allez, viens danser. Bernard, si tu avais un ennui, tu me le dirais, n'est-ce pas? Ben, évidemment. Pourquoi veux-tu que j'ai un ennui? Silence! 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 Jean va vous raconter une histoire. Mais non! Une histoire! Bon, d'accord, alors je vais vous raconter l'histoire de la petite souris et de l'éléphant. Ah! Écoutez bien, c'est une petite souris qui habite dans un cirque, et ils se connaissent pas, jusqu'au jour où la petite souris débouchant de son trou tombe entre les quatre pattes de l'éléphant. Elle lève la tête et... Elle est complètement stupéfiée par la grosseur de l'éléphant. Elle regarde et fait... Oh, tu crois que tu es beau. Oh, puis tu crois que tu as des grosses pattes, puis tu es gros. Puis l'éléphant baisse la tête, puis voit la petite souris par terre. Il fait, oh ouais, putain, t'es toute petite, t'es toute ridicule, on te voit à peine, regarde ça. Oh, et puis toi, alors t'as une belle tête, et puis une grosse trompe, et puis alors tu as des petits yeux, mais t'as des grandes oreilles, alors, hein. Ouais, alors l'éléphant, il baisse la tête, il fait, oh ouais, puis toi, alors on te voit à peine, regarde, si je te vois pas. Oh ben, oui, moi j'ai été malade. Bah maintenant que nous sommes seuls ou à peu près,
Peux-tu me dire pourquoi Bernard est parti si brusquement, sans rien dire à personne? On l'a appelé du laboratoire d'oncle François. Il y a eu un petit incident. Ah, vous saviez. Et vous ne me disiez rien. Ce n'est rien. Je voulais y aller moi-même, mais Bernard est de la conscience même. Oui, oui. Bon, au revoir, Hélène. Au revoir, François. Je t'accompagne. Il est odieux. Qui ça? Pas l'oncle Antoine. Pourquoi? Tu n'apprécies pas mon talent. Merci, parrain. Je t'expliquerai. Bonsoir. Dors bien. Merveilleux, ils ne se rendent pas compte du travail que l'on a à faire. On finira tout ça demain. Oh. Eh ben voilà enfin quelque chose de sérieux à se mettre sous la dent. Alors tu manges toujours? Bah oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, Jannick. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. À tout de suite, chérie. Bonsoir, Jannick. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Puis ne t'en fais pas. Il te téléphonera. Ça me bonsoir, Angèle. Allez, laisse tout ça. Tu sais bien que j'aime pas qu'on m'aide. Va te coucher, va. Merci, Angèle. Ça mouche.